Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, parce que moi, personnellement, ça va nickel, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, de la différence entre l'Ultra HD et la 4K. Allez, c'est parti. Alors, quelle est la différence que tout le monde se pose? La 4K, c'est 4096 par 2160. Et la Ultra HD, c'est la 3860 par 2160. Et en fait, pas mal, genre, les jeux, les films, les télés, YouTube, tout le monde dit... Ouais, mon produit il est en 4K, machin, sauf que c'est totalement faux! Mec, il pète un peu un câble. Non, en fait, ce qu'ils disent, quand ils disent 4K, en fait, dans le langage courant, ça, en fait, ça veut dire l'Ultra HD 3860 par 2160. Mais c'est faux. La vraie 4K, je vous l'ai dit, c'est 4096 par 2160. Donc, c'est en fait, la plupart du temps, quand on dit 4K, en fait, c'est de l'Ultra HD. Bon, après, là, certains jeux. Et certaines télés qui sont vraiment en 4K, mais la plupart c'est de l'Ultra HD. Mais en fait, 4K, maintenant je dirais que c'est un peu pour vendre. Genre, on dit waouh, 4K et tout. Que Ultra HD ça parle un peu moins pour, je pense, les gens qui s'y connaissent moins en fait. Donc voilà, c'est ça la petite différence. Il faut faire attention. Bon, après, ça change pas grand chose, mais il a quand même plus de pixels dans le vrai 4K. Donc voilà. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, bien attention à ne pas vous faire arnaquer. Enfin, arnaquer, je veux dire, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même bien d'avoir de la 4K native au lieu de l'Ultra HD. Genre, par exemple, la plupart des GoPro, je sais pas les dernières, mais moi j'ai une GoPro, bon, pas une vraie, mais je crois que même les GoPro, les vrais Hero, les 4, les GoPro Hero 4, Hero 5, etc., c'est pas de la 4K. 4K! C'est de l'ultra fucking HD en fait. Donc il faut faire bien attention. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo qui va être sûrement très très courte. C'était juste... je pense que de temps en temps... l'idée m'est venue comme ça. Donc je pense que de temps en temps je vais parler des sujets comme ça. Par exemple là, comme là, de l'ultra HD, de la 4K. Quelle est la différence, lequel est le mieux, etc. Donc voilà, donc si ce petit format de vidéo vous plaît, vous n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et un commentaire, et moi je vous dis ciao!